neuf côté satellite, Victor? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Et cette fois-ci, je vais vous présenter l'un des jeux les plus attendus de l'année 2016, qui selon moi sera parmi les jeux qui seront sur le podium de jeux de l'année 2016. Il s'agit de Uncharted 4, The Thief End, avec l'excellente et puissante note de 19 sur 20, moyenne de Game Rankings établie sur plus de 50 sites de jeux vidéo, édité par Sony, développé par Naughty Dog, sorti officiel le 10 mai 2016, et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Donc, j'ai choisi ce moment du jeu basé à Madagascar, où est-ce que notre cher Nathan Drake part forcément à la recherche d'un nouveau trésor, celui de Henry Avery, l'un des plus grands pirates de l'ère de la piraterie, connu pour avoir ramassé l'un des plus gros trésors de l'histoire et l'avoir embarqué avec lui dans sa tombe, non retrouvée encore à ce jour. Je n'ai fait qu'un petit moment de la mission et je me suis dit, ah allez, c'est celle-là que je vais présenter parce que graphiquement, mais qu'est-ce qu'il impose. Donc voilà, je sais où est-ce qu'il faut aller au début, mais après je vais être un petit peu pris de court et je vais découvrir la mission en même temps que vous. Que je vous reparle un petit peu, à ma droite, donc je conduis ce pick-up dans un pseudo-monde open world, donc ça c'est vraiment sympa, ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas dans les anciens Uncharted. Je vous rappelle qu'il s'agit du coup du quatrième opus de la série, si on ne compte pas le Golden Abyss qui était proposé sur PlayStation Vita. Pas obligé de faire d'ailleurs cet opus sur console portable pour pouvoir connaître l'histoire, mais avoir fait les trois précédents, d'ailleurs c'est pour ça que Naughty Dog nous a proposé The Nathan Drake Collection pour pouvoir faire les trois opus en remasterisé HD sur PlayStation 4 pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il en retourne, car nombreux clins d'œil sont faits directement dans ce quatrième opus. Que ce soit pour le premier avec sa visite sur l'épopée de l'Eldorado, pour Shambhala dans le 2, pour la cité perdue de Uncharted 3, enfin voilà. C'est vraiment... Non, c'est vraiment sympa, ça reprend tout le principe. Et il va falloir du coup que j'aille à cette tour, donc en fait on recherche tout ce qui peut être qui n'a pas été construit ou modifié avec le temps, mais plutôt construit de la main de l'homme, pour pouvoir rechercher des indices sur cet éventuel trésor. Je ne ferai pas non plus de gros spoils, il ne s'agit que d'un test pour vous permettre de vous dire oui ou non, est-ce que j'achète ce jeu. Et je voulais surtout vous faire découvrir cette nouveauté qui est ce côté un peu open world. Le seul point négatif que j'ai pu noter, on retrouve toujours autant d'énigmes, même si en étant habitué à Uncharted, tout simplement on trouve que les énigmes sont un petit peu toujours les mêmes, ont toujours cette même difficulté. Si on a toujours ce même raisonnement avec les énigmes à l'Uncharted, les nouvelles ne sont pas très très difficiles. Mais le point négatif, c'est qu'il y a en fait un timer à ma grande stupéfaction. J'ai eu vent par l'avis d'un ami qui avait attendu en mode AFK pendant une énigme. Comme le jeu a vu qu'il avait mis trop de temps, l'énigme est directement passée. Elle s'est accomplie sans qu'il ait eu le temps de rien faire. Donc je trouve ça assez dommage. Le menu indice est toujours proposé. Si vous mettez trop de temps, la mission peut s'accomplir d'elle-même. Je trouve ça un petit peu dommage, ça casse la chose. Encore une autre chose qui pourrait casser... un petit peu le mythe du jeu, mais j'ai envie de dire aussi que c'est un bon point pour d'un point de vue plutôt marketing. On va dire que Naughty Dog a écouté les retours qu'il avait par rapport à son jeu. Uncharted est un excellent jeu, il a toujours eu des notes excellentes.
qui frôlait le 20, et on le comprend, Naughty Dog, de toute façon, que ce soit avec Crash Bandicoot, Jack and Dexter ou The Last of Us, ça nous a toujours convaincus quoi qu'il arrive. Il y a du coup une aide à la visée qui est proposée quand on commence le jeu. Vous savez, un espèce de point target qui est mis directement sur l'ennemi à la style GTA. Pourquoi ils l'ont mis ? Parce que beaucoup se sont plaints du système de visée, notamment de plus en plus de jeunes joueurs touchés par l'embargo de ce jeu. Eh bien, ils ont trouvé un petit peu le système de visée assez compliqué. Voilà, comme apparemment, c'était pas assez Call of Duty-esque pour eux. Donc, du coup, ils ont simplifié en mettant un auto-target. Malheureusement, je n'ai pas aussi bien fait le menu, parce que je pense que ça peut s'enlever si on le met accidentellement. Je voulais absolument avoir la pleine maîtrise de mon système de visée. Mais, qu'est-ce que c'est beau quand même. Je l'ai laissé, et du coup, je vais... Je pense que je vais le régler avant un moment de gameplay. Bon voilà, après c'est un point négatif du point de vue. Ben voilà, c'est on a une autolock sur la personne, mais en même temps ça simplifie vachement la chose. Même si bon, étant puriste quand même sur les bords, je préférerais avoir pas du tout d'aide à la visée comme les Uncharted nous l'ont proposé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des jeux qui ont eu quand même une difficulté assez osée, je parle bien sûr notamment du 1. Parlant de tous les autres Uncharted, pour moi celui-ci est vraiment exceptionnel. Néanmoins, ça ne vaut pas Uncharted 2. Uncharted 2 qui pour moi restera le meilleur de la série jusqu'à vraiment que j'en trouve un vraiment tout aussi exceptionnel. Que ce soit du point de vue solo ou multijoueur. Hein. D'ailleurs pour le multi, ça me fait penser, je vous renvoie ici même, pendant que vous regardez la vidéo, à un précédent vidéo test que j'ai fait pendant le week-end bêta de Uncharted, où est-ce que l'on pouvait jouer au mode multijoueur. Mon vidéo test se basant sur le mode solo, il commence à y avoir du grabuge. Alors voilà, c'est là où est-ce que je me suis arrêté, donc du coup je vais découvrir en même temps que vous. Du coup, il n'y aura pas de mode online pendant ce vidéo test. C'est pour ça que je vous ai demandé de cliquer sur le lien précédemment posté sur la vidéo. Du coup, je parlais justement de Crash Bandicoot, qui était l'un de leurs précédents jeux. Vous verrez qu'on brise un certain quatrième mur en fait dans le jeu. Oui, dans Uncharted 4, il est possible de jouer à Crash Bandicoot à un moment. Je ne vous en dis pas plus, mais ça c'est le truc qui nous touche quoi. Quand le jeu se lance, il y a même l'intro, le sound intro de la PlayStation 1. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Bon, on va essayer de parler plus concrètement du jeu. Bouge de là. Donc du coup, je voulais modifier, mais... je vais mettre trop de temps à aller dans les menus que je n'ai pas assez regardé. Je vais faire avec la visée automatique, donc vous avez l'impression que je vais avoir un énorme skill à viser directement sur l'ennemi, mais il n'en est rien, je reste une grosse merde. Voilà, donc du coup, il y a de l'autolock, ça tue un petit peu le style du jeu, j'en suis vraiment navré, mais voilà, j'ai juste voulu le mettre au début pour voir qu'est-ce que ça donnait, et depuis j'ai pas trouvé comment l'enlever. S'il faut, ça doit être sous mes yeux, et je l'ai même pas vu encore à ce jour, donc vous allez devoir faire avec la visée auto, je suis désolé. Mais bon, au moins ça permettra de voir quand même un style de teamfight, de gunfight vraiment conséquent. Ça reste vraiment très très beau. Je trouve que pour ma part, Uncharted est l'un des seuls jeux, Naughty Dog est un des seuls développeurs à savoir faire ça. La mobilité du caractère, en fait, du protagoniste. Et du coup, c'est vraiment... C'est un sniper, ça. Oh, nice. Je l'avais pas vu dans mon... dans mes anciennes missions. C'est la première fois que j'en drop un. Bon, ben c'est cool. Non, franchement, je trouve que niveau mobilité et ragdoll, quand il y a des déplacements du personnage, mais je trouve que c'est super réaliste. Je crois que c'est le jeu qui le réalise le mieux, franchement, ce système de mouvement. C'est vraiment mais topissime, je trouve. C'est assez affolant. Enfin bref, vous allez le voir par vous-même, passons. Comme je vous ai dit, l'histoire se passe...
à côté de moi, vous avez vu côté passager. Mais d'ailleurs, je vais remonter dans le pick-up. Voilà. À ma droite, il y a Victor Sullivan, son acolyte de toujours. Et derrière, en fait, il y a Samuel Drake, dont je ne vous en dis pas plus. Vous le comprendrez de vous-même. Entre Nathan Drake, Samuel Drake, bon, voilà. À vous de savoir, son petit cousin, frère, etc. Je n'en dis pas plus. Mais le but de Drake est de l'aider. Bon, là, c'est un peu téléphoné. Je vais devoir utiliser le câble pour pouvoir faire tomber le pont. Bon, ça reste vraiment... C'est sympa, on pouvait pas le faire avant. Je peux pas me déplacer. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Hop, avance. Ah, putain, ah, mais je suis trop loin, je crois, en fait. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Bon, je le lâche. Ok, c'est cool. Bon, il va falloir que je me rapproche. Après, il y a des choses assez téléphonées. Puis après, quand on est habitué à l'univers Uncharted, on sait de quoi il en retourne, hein, forcément. Du coup, voilà, il va falloir aider ce Samuel Drake qui est dans une belle merde. Et c'est pour ça qu'on part à la recherche d'un gros trésor pour rembourser, en fait, une dette, entre guillemets, qu'il doit. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Et du coup, voilà, on recherche le fameux trésor de Henry Avery. Et bon, mais là... Bon, c'est bon. Le pont est en train de tomber, ça marche. On a... Le treuil fait son travail. Du coup... J'ai même pas besoin d'aller le rembobiner, ça c'est cool. Donc voilà, le jeu nous permettra de naviguer dans... Enfin, de parcourir plusieurs pays. Ok, ça s'enlise. Ok, très bien. Bon, faut éviter que le pick-up... s'enlise dans la boue, tout simplement. Mais c'est assez bien fait, franchement. Et du coup, voilà, là, actuellement, on est à Madagascar. On voyage en Écosse, en Italie. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Et les méchants de l'histoire, au début du jeu, vous voyez que Nathan Drake est avec un collègue dans une prison. Et ils se séparent avec le temps, parce qu'ils ont des avis qui divergent. Verge, désolé, c'était trop facile, voilà, fallait que je la fasse. Putain, qu'est-ce que c'est beau ce panorama, c'est magnifique. Il est à la recherche du même trésor que nous, avec l'aide d'une femme appelée, c'est Nadine Ross, il me semble, qui elle est à la tête d'un groupe de mercenaires d'une petite armée, voilà, c'est ses petits toutous. Donc du coup, on se frite contre eux, en fait. Mais vraiment, ce jeu vraiment tient ses promesses. De sources sûres, j'ai envie de dire, mais mes amis qui ont déjà terminé le jeu ont dit que la durée de vie était plutôt agréable. En moyenne, on va dire, pour vraiment faire quelque chose d'assez général, une fourchette, comptez entre, pour ceux qui veulent vraiment runner, ça peut aller jusqu'à, on va dire, 16 heures de jeu. Pour ceux qui veulent vraiment chercher à plus de 30 heures. Voilà. Donc, ne tient qu'à vous de voir comment vous voulez terminer ce jeu. En tout cas, pour moi, il tient largement ses promesses. Les séances de... Il n'y a pas beaucoup, en fait, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de séances de fight, en fait. C'est plus un jeu qui va piocher sur le narratif, qui va vraiment tout expliquer. C'est un peu le Uncharted, je fais le point sur tout. Et je trouve ça, mais bizarrement, mais qu'est-ce que ça marche? C'est addictif au possible. C'est un truc de fou. Mais vraiment, je sais pas comment vous dire. Ça reste, voilà, il n'y a pas forcément que du gun, que de la baston. Il y a beaucoup d'énigmes, c'est de la papote. Bon, mais après, quand on aime le scénar, bah, forcément. Hein. Mais voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être habité. Ok, mais du coup, non, franchement, bizarrement, après, c'est les jeux qui vont essayer de nous chercher sentimentalement, voilà, le jeu, ce Uncharted 4 est vraiment fait pour les fans, j'ai envie de dire, pour répondre aux attentes des fans, ils le réussissent une fois de plus, d'où sa note, et franchement, elle est plus que méritée, je vous l'ai dit, Naughty Dog, c'est une valeur sûre, depuis Crash Bandicoot, on sait tous que, depuis les années 90, c'est, ils sont les maîtres du game, un petit peu, dans ce système-là.
Ce sont des gros développeurs qui arrivent à vivre avec peu de jeux. Il y en a peu à ce jour. On pourrait citer que, par exemple, je sais pas, Kojima qui arrive à vivre avec Metal Gear, Rockstar qui fait ses plus gros chiffres avec GTA, sans pour autant citer Max Payne ou The Warriors ou encore d'autres jeux. Voilà, enfin, ce sont vraiment des gros développeurs, quoi. Franchement, ils font un petit peu la pluie et le beau temps, et ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est cool, donc je vais pouvoir parler aussi d'un autre de leur jeu qui est vraiment attendu. Est-ce que The Last of Us 2 est prévu? Avec toutes les recherches que j'ai pu faire, je peux vous dire, de source sûre, en ayant fait bon nombre de recherches, que Nolan North, qui est la voix officielle de Nathan Drake dans la version anglaise, qui est aussi par exemple la voix de Deadpool, ou du Penguin dans Batman, ou même de Altaïr, voilà vraiment le mec qui pèse dans le game un peu, en faisant bien sûr le rapprochement, il s'agit aussi de Bruno Choël qui est en train de faire la voix de Nathan Drake, la voix de Johnny Depp en VF, qui lui-même aussi fait la voix de Altaïr dans Assassin's Creed 1, voilà vraiment des rôles assez similaires. Une VF très réussie, toujours très très présente, enfin c'est vraiment génial. Du coup, Nolan North, lui, celui qui fait sa voix, a avoué sans le vouloir, lors de la Comic-Con de San Diego en 2015, que Naughty Dog travaillait sur un Last of Us 2, parce qu'il fait aussi la voix de David, vous savez, cette personne qui agresse Ellie dans le restaurant, qui prend feu vers la fin, vous savez, lors de la saison hiver, lorsqu'on entame le cursus hivernal du jeu, il fait aussi la voix de ce psychopathe qui échange des médicaments contre un cerf. Et du coup, voilà, il avoue directement que oui, je sais que Naughty Dog travaille sur Last of Us 2, et puis de toute façon, on savait que Naughty Dog ne faisant qu'une chose à la fois, et ça, tant mieux, parce qu'on en a marre d'avoir des jeux qui sortent en mode pré-alpha en fin d'année à chaque fois. Eux, au moins, ils s'occupent d'un jeu à la fois, et ils ont attendu que Uncharted 2 se termine pour pouvoir enfin s'appuyer sur Last of Us. Est-ce qu'on a un clin d'œil avec la possibilité de « on rejoue à Crash Bandicoot, donc est-ce qu'un prochain Crash pourrait venir ?» Malheureusement aussi, j'ai su qu'il n'y a pas longtemps, Activision ayant des droits sur Naughty Dog, bizarrement, j'ai trouvé ça assez bizarre. Ils ont dit non, parce qu'ils veulent des jeux qui font de l'argent, travailler sur des jeux qui rapportent, en gros un petit peu ils leur ont chié à la gueule, mais bon voilà, hein, ça c'est des éditeurs qui veulent toujours plus de sous-sous, hein. On sait tous que Activision voilà, récemment a racheté Blizzard, donc du coup on a peur pour le prochain Diablo, oui parce que Diablo 4 aussi est annoncé, enfin bref, on s'éloigne du sujet, tout ça pour dire que néanmoins ce jeu tient ses promesses, et si vous avez connu les précédents opus, il va y avoir de la fight, c'est vraiment quelque chose de super. Alors là, j'ai quand même de l'autolock avec un sniper. Bon là, alors ça veut dire que je peux faire des hard scope, quick scope, de la mort qui tue. Ah mais limite, ah putain, ça me tue la saveur quoi. Je suis toujours habitué un petit peu à me gagner ma pomme dans Uncharted. Mais bon, au moins je passe les phases de gunfight pour pouvoir plus progresser dans le jeu. Non mais après, je vous ai dit une fois de plus, vous le voyez, mais qu'est-ce qu'il est beau quoi. Il chie la classe quoi, il pue le style ce jeu. C'est incroyable. Voilà, je vous l'ai dit, ils prennent le temps pour faire leur jeu, ça se sent, on sent le savoir-faire, on sent les passionnés derrière. Enfin, je l'ai toujours dit, Naughty Dog est pour moi mon développeur préféré, et une fois de plus, ils me font garder ce même avis, tout simplement. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Parlons un petit peu plus alors du scénar, qu'est-ce qui les a amenés ici, sans trop non plus vous spoil. Ce qui les a amenés ici, c'est un message laissé écrit par André Avery, qui était dissimulé dans une croix. Donc il s'agit en fait de la croix de comment il s'appelle déjà, de Saint Dismas. Petit point culture, vous savez que Jésus, une fois qu'il est crucifié, il y a beaucoup de tableaux où est-ce qu'il est crucifié avec deux autres personnes. En fait, il s'agit de deux voleurs, l'un qu'on appelle plus communément le bon voleur et l'autre le mauvais voleur. Donc du coup, Dismas et Gesma. Je sais pas si je le prononce bien, c'est Gesmas ou Gesma, je sais pas. Mais voilà, la légende disant que il y en a un qui a dit que ce que faisait Jésus était bien pour pardonner les pécheurs, etc. Et du coup, l'autre s'est moqué de lui,
d'où le bon et le mauvais. Et dans la croix du bon, parce que apparemment ce grand pirate Henry Avery se prend pour un bon voleur, avait laissé un message dans une croix. Donc voilà, on va devoir faire plusieurs choses pour la retrouver, car la première ne sera pas la bonne. Voilà, je ne vais pas après en dire plus. Mais voilà, ce sont des messages laissés en main propre de ce pirate pour lequel on recherche son trésor éperdument, qui nous amène dans des endroits paradisiaques. Non, franchement, c'est vraiment cool. Puis, il y a beau avoir, comme j'ai dit, peu de séances de gunfight, moi je trouve que ce jeu reste néanmoins... Bon, là c'est encore l'appel au treuil. Pas Daniel, hein. Vous avez compris, Daniel Autreuil, bon, ouais, je ferme ma gueule. Non, mais voilà, c'est bon. Il y a des choses qui sont assez téléphonées quand on fait tous les Uncharted. Mais d'un certain côté, j'ai envie de vous dire merde, quoi. Au bout d'un moment, voilà, ils ont dit que c'était le dernier de la série, de peur de trop curer le fond du pot de yaourt. Voilà, parce qu'on va dire qu'ils ont un petit peu tout fait avec cette licence. Même si elle est magique, hein. Et puis terminer la licence Uncharted. Non, je suis con, c'est pas reculé, c'est avancé qu'il faut. Du coup, voilà, enfin, c'est vraiment fou. Je savais qu'il fallait pas que je laisse le treuil enfin faire le tour du bordel de merde, le tour du rocher. Non, ça reste assez dynamique quand même. Hein. Franchement, ça me fait penser un petit peu. Enfin, c'est Made In aussi, voilà, c'est édité par Sony, etc. Donc, je n'aurais sans doute aucun mal à citer un de leurs autres jeux. Le système graphique en fait de ce jeu a du bien et du mauvais en fait. Du bien parce qu'on confond souvent les cinématiques avec des séances de gameplay comme The Order, qui est un jeu de chez Sony. Bon, The Order qui est. J'ai pas non plus envie de dire que The Order est un jeu vidéo, même s'il en a le principe, mais c'est plus. Il penche plus sur l'histoire interactive que vraiment le jeu. Bon, je ne vais pas en dire du mal parce que moi j'adore The Order. Mais voilà, le système de graph de Naughty Dog fait penser voilà, qu'on pourrait confondre des cinématiques avec le jeu. Et aussi le point négatif, donc j'y viens. Là il va falloir que je détache le treuil. C'est que. Bon, certes. Il s'est passé 15 ans avec toutes les histoires de Uncharted, mais je trouve que le graph a vraiment changé la tête de Drake et de Elena. Elena Fisher, qui est aussi présente, qui est la copine journaliste de Nathan Drake. Autant Sullivan n'a pas pris... enfin, si, ils l'ont un petit peu... ils ont ajouté 2-3 rides, mais bon, néanmoins, ça reste vraiment... voilà, enfin, je trouve que Nathan Drake a un faciès un peu modifié. C'est limite si je préférais l'ancienne tronche. Mais bon, j'ai même pas envie de me montrer critique avec ce jeu parce que il est parfait. Mais vraiment, il pue la réussite. Après, c'est un jeu peut-être qui ne plaira pas à tout le monde parce qu'on a tendance à le dire. Le Uncharted, c'est le Nathan Drake, c'est le Lara Croft au masculin, bien entendu. Donc si vous n'aimez pas les jeux d'aventure recherche, si vous êtes un peu trop bourrin sur les bords à vouloir un jeu de guéguerre, etc., Uncharted n'est pas le jeu qu'il vous faut. Un jeu à la Uncharted, c'est un jeu où est-ce que le scénar importe et qu'il a vraiment une réelle conséquence et il faut rester attentif tout au long pour ne pas en perdre une miette. Donc ça va s'adresser à des joueurs qui sont plus patients et moins bourrins sur les bords. Tout ça pourtant que j'adore tout ce qui pourrait être des Gears of War, des Call of Duty, Battlefield, j'en passe. Mais c'est vrai qu'un jeu narratif, mais putain qu'est-ce que ça fait du bien un peu. La lumière passe derrière, ça s'est téléphoné, il va falloir que je décale, la sortie est derrière. Non voilà, mais pour une fois vraiment c'est un... Non mais c'est bien de retrouver un jeu comme ça quoi, on peut pas en dire du mal honnêtement. Bon, vous allez me dire, avec toutes les vidéos que je fais... j'ai jamais dit du mal d'un jeu en particulier. Bon voilà, quand on aime le jeu vidéo, de toute façon, on peut pas en dire du mal. Voilà, je suis pas assez critique, je suis désolé. Bon, ça aussi, ça s'est téléphoné. Qu'est-ce qu'on téléphone là-dedans? Bon, où est-ce que ça va me mener? Non, mais franchement, tous les endroits sont super cherchés, des énigmes qui néanmoins changent. Change l'habitude un petit peu parce que voilà, fallait souvent se répertorier au livre, sur des marqueurs qu'on faisait dans notre petit agenda, etc. Mais puis après, les énigmes sont assez recherchées, même si on en comprend la finalité très très vite parce qu'on est habitué au système d'énigmes de Uncharted. Beaucoup de gens se plaindront,
Mais moi je trouve que vraiment c'est ce qui a fait le charme de Uncharted et il ne faut surtout pas enlever quelque chose qui a fait le succès d'un produit, tout simplement. Bon, de toute façon, je parle un petit peu pour ne rien dire parce que je sais que Naughty Dog l'a compris bien avant moi et l'a compris aussi bien avant beaucoup de développeurs dans le monde du jeu vidéo. Non, vraiment, c'est super sympa. Voilà, après il y a des autres phases, ça n'y fait rien, vous le voyez, mais. Voilà, par exemple, passer en se mettant de profil pour pouvoir accéder à des lieux plus reculés, etc. Voilà, la caméra qui nous embarque, voilà, vraiment le côté dynamique quand la Jeep est tombée, que le treuil devait nous hisser en haut. Franchement, c'est super sympa. Et là, vu la tronche du mur, une énigme m'attend. Mais je pense que je vais néanmoins m'arrêter là. Ça fait plus d'une vingtaine de minutes que j'en parle. Et je ne veux pas non plus trop vous spoiler le jeu, je vous le répète. Uncharted, c'est quelque chose à faire vraiment seul ou même vraiment à regarder. Ça, c'est le genre de jeu où est-ce qu'on prend plaisir même à regarder alors qu'on préférerait jouer aux jeux vidéo. Vraiment, parce que le scénario est. Et franchement, il a tout pour plaire, croyez-moi. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est. Vous pouvez bien sûr faire le 4 n'ayant pas fait les anciens si vous voulez vous plonger dans Uncharted parce que lui aussi vous a convaincu. Il y a certains clins d'œil que vous ne comprendrez pas. Mais voilà, partez du principe que. Alors, basez-vous sur ce que je vais vous dire. Victor Sullivan le Vieux a été son acolyte pendant les trois premiers, donc ils sont vraiment amis alors que pourtant c'est le genre de la personne à Sullivan de doubler les gens pendant qu'ils recherchent des trésors, etc. à s'en sortir tout seul, en trahissant tout le monde. Mais sauf que Drake, il le considère un petit peu comme son fils, entre parenthèses, voilà, son fils de cœur, quoi, vraiment. Et c'est un petit peu la relation père-fils. C'est vraiment assez touchant. Et Elena Fischer, la journaliste blonde, qui est devenue sa femme avec le temps. Basez-vous au moins là-dessus pour avoir un pseudo, voilà, de pseudo base sur l'univers et le cadre qui entoure Nathan Drake, pour que vous puissiez mieux le comprendre. Je ne parle pas de Samuel Drake, vu qu'on le découvre dans cet opus-là. Et du coup, voilà, je pense que ceci vous permettra de mieux comprendre un petit peu tout ce qu'il en retourne et tout ce qui s'accroche au jeu. Donc du coup, comme Sullivan ne s'est pas mis à la clope récemment qu'il fume que des cigares, ça laissait présager qu'il y avait des ennemis. Mon dieu, ok, il y a les ennemis ultra lourds au fusil à pompe. Ça, eux aussi, ils étaient connus dans les anciens, et croyez-moi. Oh putain, ils étaient très très chiants. Je vais vous laisser sur cette phase du coup de gunfight en vous souhaitant bonne continuation à tous. Portez-vous bien. Et croyez-moi, Uncharted, si vous avez l'occasion de vous y mettre, n'hésitez pas. C'est un jeu qui doit être fait quand on aime la console de Sony. Portez-vous bien, tout le monde, une fois de plus. À très bientôt et à ciao.